Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Donc Réaction, comme vous le savez, c'est une tranche où nous réagissons sur l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc 20 octobre 2022. Nous réagissons sur l'actualité, donc sur ce qui se passe au Parlement. Et vous voudriez à ce que nous puissions donner justement nos points de vue sur la motion qui a été adressée à un ministre, Chérubin Okendé. On parle des cartes de permis de conduire, on parle de la gestion du ministère des Transports qui préside, donc qui en charge M. Chérubin Okendé. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que nos députés, est-ce que nous, Congolais, nous sommes en train d'analyser la situation dans laquelle notre pays est en train de traverser? C'est vraiment inacceptable et moi je suis content du fait que cette motion-là a été rejetée et mon constat c'est que le député tend à se focaliser sur une chose qui n'a pas d'importance parce que la politique globale de notre pays est en train d'être biaisée. Je pense que nous Congolais nous avons une mauvaise lecture de la direction de notre pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je regarde vraiment comment est-ce que le monsieur a été la motion a été même rédigée, je me dis que nous avons manqué le point. À l'Assemblée nationale, c'est comme si on manque de points, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de chercher. On ne sait pas exactement le réel problème de notre pays. Et je crois que le député se vertit à faire du n'importe quoi. Est-ce que vraiment il n'est pas possible à ce que nous puissions nous focaliser sur le réel problème de notre pays, les causes qui font à ce que nous puissions en arriver là? C'est ça la question. La question c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions remettre le pays dans le rail du développement où toutes les solutions devront être examinées et trouver les causes qui font à ce que nous puissions en arriver là et nous attaquer à ces causes-là. Les causes c'est quoi mes chers amis? Les causes que je pense que j'ai même parlé dans mon précédente émission si vous m'aviez suivi. Les causes c'est l'ordre, c'est comment gérer le pays. Au Congo Nabiso, Congo ezaneti, moi na muke oyo, azana papa na ye, papa wana aza kozala na mbongo ebele, me, mwana wana aza kozala la nzala, mwana wana aza na bilamba ya kolata te, mwana wana ayebite, ndenge nini ya kozala lobi, ndenge nini ya kotanga lobi, pourtant papa na ye aza na mbongo ebele, papa na ye aza kokende ba voyage, aza kosala boye, le papa montre qu'il est en train de vraiment de faire, qu'il est en bonne santé, mais sa famille est en train de souffrir. Moi si azana na bilamba te, c'est comme ça, c'est l'image que moi je me fais de ce pays ici. Alors motion on a ezalaki pona nini? Voilà que la motion a été rejetée, la motion a été défendue par ses collègues d'ensemble et puis ses collègues députés et la motion a été rejetée en bloc. Et c'est ça montre justement que nous n'avons pas encore saisi, nous ne connaissons pas encore le réel problème, nous ne connaissons pas, nous les députés qui sont au Parlement, ne connaissent pas effectivement le problème qui est en train de se passer dans notre pays. Au lieu de s'attaquer dans l'insécurité, on s'attaque dans les problèmes qui devraient être trouvés, des solutions qu'on devrait trouver pour l'ensemble du pays. Les contrôles parlementaires, aujourd'hui ça se passe comment? Les contrôles sur l'armée, les contrôles sur l'insécurité, on nous parle de beaucoup d'argent. Cet argent-là va où? Mais le député ne s'attelle pas à ça. Tout le monde se vertue à se dire que non, nous devons faire tomber ceci pour que nous puissions faire une place à ce que cette hégémonie de mes gestions continue. Bandeko. Nabanzi qu'il est grand temps, c'est que nous puissions nous focaliser sur le réel problème de notre pays. Les institutions ne fonctionnent pas, pourquoi? Pour nanini tozana ba carte d'identité T.
Parce que c'est la carte d'identité qui va nous faire asseoir, qui va asseoir notre la gestion de notre pays si nous ne sommes pas capables de nous gérer. Ba carte d'identité auto, ba carte ba biloko ba permis à transport, ba zolo ba permis de conduire. Ça s'assoit sur quoi? Toko kende ko identifier ba travailleur et à l'état, mais ba travailleur ango baza ba nani? On va faire l'identification dans les universités. On nous parle que non, nous allons identifier les fonctionnaires de l'État. Mais bazar banani, bazar. On ne se focalise pas sur le réel problème de notre pays, Bandeko. Ba motion wana nyonso za ko salema na parlement. Eza ba motion moko na banzi ke. Eza na place te. Ça ne change en aucun cas quoi que ce soit dans notre pays. Problème na biso ezali nini bandeko to mituna nanu problème na biso ezali nini hein? Problème na biso ezali nini? Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça dans notre pays? Pona nini? Les questions demeurent et nous n'avons pas de réponses. C'est comme ça que moi je me suis dit, les députés d'aujourd'hui devraient se focaliser sur les institutions. Comment nos institutions fonctionnent? Même à ta haute session au Bazana Kati, pour Bazbalobe la Makambambongo, Makambambongo ango eko kendamandenge nini? Parce que nous n'avons pas de soubassement. Tozo parler na ba IGF, tozo parler na ba institution a contrôlé ba misolezo kende, mais utilisation misolo aneza ko salema ndenge nini? On peut tout dénoncer, on a commencé à dénoncer depuis longtemps, mais tozo luka tozo kokaka kozwa solution te. Nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Toko kende kaka ndenge wana bulu yeke kaka oba sali boy, mais nous n'avons pas attaqué le problème sur le fond. Le problème du fond, c'est quoi? Le problème du fond, c'est l'organisation et la reconstruction de notre État. La reconstruction de nos institutions. Comment est-ce que l'institution n'a pas été bon au lango et banda ko soutenir l'État pour que l'État ait à la solo? L'État est à l'été. Et tout ça, nous passons notre temps à nous discuter, à nous entrer dedans. Oh Katumbi, oh Batou, oh Basaliboy, oh Basali. Nous n'avons pas encore su à trouver le problème réel de notre pays. Place ni nango to banda ko kendo contrôler Batou. Miibi bakosi la kandenge nini? Quelles sont les valeurs que nous mettons en place? L'État za ko fonctionner ndenge nini poto banda ko zala na problème ya ko contrôler l'État yango? Nous avons des gens qui sont à la tête des institutions, qui se comportent comme des rois dans ces institutions-là. Toko sala ndenge nini poto coordonner babilo kwa na nyonso pour que tous ala na moyen ya ko contrôler batu. Ba institution na biso ezo fonctionner te. On parle de 5 ans qu'on n'a pas de permis de conduire. On parle de 20 ans lorsqu'on n'a pas de carte d'identité. On parle de beaucoup de choses. Ba école eza ko tonga mate mbongo ezali, mbongo eza. Nous n'avons pas de problème d'argent, mais nous avons un problème d'organisation de notre État. État na biso to ko organiser ango comment? Et c'est ça que je pense que la question devra être posée même au niveau de ce parlement ici, dont nous connaissons que Ezape parlement a soloté. Bandeko, moi ma position c'est celui-ci. Hein. Allons-y nous attaquer aux causes. Quelles sont les causes? C'est parce que notre pays est organisé. Nous n'avons pas cette volonté-là à organiser Mbo Cannabiso. Mbo kanabiso eza na mbongo ebele, mais toko sala la mbongo wana koma, mbongo wana eko sale mandenge, eko zala utilize ndenge nini. On parle de beaucoup d'argent qui sont affectés au niveau de l'armée, mais résulté zalite. Insécurité za kokendekaka, c'est parce que le problème du fond n'a jamais été attaqué. Il faut que na banzi ke parlementaire sikoyo. Total ndenge nini, problème ezali wapi. Est-ce que problème eza ya batu? Est-ce que problème est le président de la République? Est-ce que ça problème est ba institution na biso? Est-ce que quel est le fond du problème? Est-ce que le Congolais a du travail? Bah ata Congolais za na musala, akozala na musala ndenge nini? Tant que nous n'avons pas encore identifié les Congolais en question. Je vous avais dit que l'État congolais il gère une nation. Nation na biso eza wapi? Et c'est là que je vous ramène encore au problème d'identification. Toko identifier ba wewa, toko ko ça. Mais ce qui?
baza ko fonctionner na kati ya ba institution nini yango ba institution aneza ko sale mandenge ni. Et moi je dis ici que toutes ces fautes là résident au fait que nous n'avons pas un homme qui a une vision pour que to zongela l'été banda ko sala, même si nous déclarons quoi que ce soit, même si nous avons l'appui de la communauté internationale, tant que nous-mêmes en interne nous n'arrivons pas à nous organiser, à avoir une nation qui fonctionne dans un état normal, makambo kobonga kati tokobanda ka ko bunda bunda biso na biso na biso na biso ti tokena ba election ya bulu ye ke toyebi banani yango ba ko voter te toyebi ba procédure ya kolanda te toyebi ko sala e kozala kaka bulu ye ke parce que tozana nuna ordre te auto établir pour na ko gérer nation na biso nation. Ici je parle de toutes ces ensembles de tribus qui résident sur notre territoire. Ya ngwana boza ko mona même ba insécurité, il nous est difficile même de récupérer Bunagana parce que tozana problème na solution. Nous ne nous attaquons pas à la solution. Bato bazana Bunagana, j'ai suivi une vidéo encore une fois de plus d'un monsieur où azoko se déclarait mutu Bunagana lobby que non ba militaire belé bazoko uta ba Kasai pour ba rejoindre mouvement wana. Je crois que il est grand temps c'est que nous puissions nous atteler sur le réel problème du Congo. Et le réel problème du Congo c'est quoi? C'est l'ordre que nous devons établir. Le rétablissement de l'état, la fonctionnalité, l'état a qu'on fonctionnait té. L'été a qu'on fonctionnait et c'est là le grand problème, mes chers amis. Donc, nakosuka awa nakolobela batu o bazako tunanga e position nanga sur la motion qui a été rejetée. Je dis que ce n'est pas ça le problème du Congo. Même à tato rejeté motion, on a mais le problème reste intact. Ba institution nabiso ezako sala malamu te. Nous n'avons pas de solution pour avoir une carte d'identité. Disons, la solution est là, mais nous ne l'avons pas encore appliquée. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas c'est que tout identifier nous ba congolais nyoso sur l'ensemble du pays pour que tous toyeba nani angwaza na droit ko zala na carte d'identité, nani angwaza na droit ya ko sala na l'état na biso, l'état na biso eza ko fonctionner ndenge ba institution na biso eza ko fonctionner ndenge ni. Ba biloko na ko identifier ka ba to biométrique ou ba nini, tout ça ça ne repose sur aucune base. Et ça n'a pas été mouquette bandeko. Et c'est là où j'ai dit, en tout cas, il faudrait que nous vous ouvrions l'œil. Na ma ponami o ezakoya, il faut absolument tokanisa. Mutuo tokopona. Est-ce qu'il y a une solution pour le Congo? Parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, les gens qui nous dirigent n'ont pas de solution pour le Congo et ils ne veulent pas s'attaquer au réel problème. Parce que bayebi kolimbola ba cause te ya babiloko ezo salemate. Parce que si nous connaissons les causes, c'est déjà une moitié des solutions. Mais nous, on ne s'attelle pas à réfléchir sur les causes profondes du débâcle de la RDC. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire en réagissant sur cette motion qui est tombée, qui est motion à Chérubin Okende. Et j'encourage encore ceux qui sont encore en train de bien travailler, de le faire et de se présenter dans ma peau, Nami, pour bape sa biso plat ya solo, bape sa biso ba cause, ba ebisa ba Congolais ba lobi, ta la cause oto komi boye, ezali pona boye, 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 boye. Alors, solution pona cause wana yango oyo. Biso to proposer que noto bandela ngai na lobaki na ko supporter mutu oyo akoya na plan ya kolobaki no identification d'abord ya population to ye baba congolais baza combien baza wapi bavanda ka wapi baba congolais wana to organiser bango na bituka na bango ba ye ba musala nini, comment est-ce qu'ils vont se protéger, comment est-ce que nous allons nous protéger entre nous. Parce que protection au président azo ko pesa biso lobi o yende mtu aza garap ya nani eza ko tombe kadike eza azi ayebi ndenge ya ko salela yango te. Voilà un peu, mes chers amis, voilà, vraiment, je vous invite encore une fois de plus de vous abonner nombreux sur notre chaîne YouTube et puis même Facebook, Nababilo, Kounyo, Sotouana, Oeza, Naba, réseaux sociaux pour que idée Oyo, il y a développement. Il y a 145 territoires, le développement à la base est Zongelan, est Salamoussala Nango, et le programme là, nous l'avons. Et si vous voulez nous contacter, nous sommes là pour que nous vous donnions l'intersecte de ce programme-là, où il y a qu'on rétrocéder pouvoir à la base. C'est-à-dire que contrôler Bandako Salema déjà à partir à base pour que le pays ait Kende Liboso. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.